Hey, bonjour à tous, c'est Jérôme M. Voyance et bienvenue sur ma chaîne de Voyance. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo de Voyance pour le match Iran-Espagne. Donc, j'ai procédé au tirage pour ces deux équipes et en fait, je vais essayer de vous dire qui a le plus de chances de gagner. Sauf le souci, c'est que j'ai procédé trois fois au tirage parce que je ne m'attendais pas à ce résultat et trois fois, c'est la même chose qui est ressortie en fait du coup. Donc, bon, j'ai abandonné l'affaire pour l'Iran. Je vois qu'ils ont confiance en eux, ils ont une bonne défense. Après leur victoire, ils ont encore plus de confiance qu'avant, stabilité. J'ai pu voir aussi, j'ai pu voir le pape qui m'indique aussi la réussite. J'ai tiré aussi l'ermite. Donc, il y aura un moment où il y aura un retour sur soi et où ils vont se replier, donc ils vont s'enfermer dans leur. J'ai aussi tiré la force qui indique, comme j'ai dit, le courage et la détermination. Et la tempérance qui annonce qu'ils auront une bonne défense. Ensuite, j'ai recommencé à nouveau le tirage. Je les vois heureux. Il y a le mot patience qui est ressorti. Alors, c'est peut-être pas la victoire pour aujourd'hui, mais je sais pas en fait. Du coup, il y a le mot patience qui ressort. Alors, ça peut être en fin de match aussi. Voilà. Et à la fin, il y a aussi le mot victoire qui est ressorti quand j'ai refait le tirage. Donc voilà, pour l'Espagne, j'ai tiré donc l'amoureux symbole d'hésitation, l'ermite symbole de retour sur soi et de repli, la route de la fortune qui indique qu'il faudra qu'ils soient attentifs aux choix qu'ils vont prendre et aux directions qu'ils vont choisir, le pendu qui indique le recul, voilà, et le détachement, et la force qui indique le courage et la détermination. J'ai recommencé le tirage pour eux aussi. Et je les vois dominer le match, ça c'est une chose sûre et certaine. J'ai aussi tiré la chance et l'équilibre du jeu. Voilà. J'ai procédé, comme vous voyez, au tirage pour les deux équipes et ça se voit à peu près. L'Iran n'a pas un trop mauvais tirage. Donc est-ce que l'Espagne gagne ou est-ce qu'il y aurait un match nul? Voilà. Donc moi je pense que l'Espagne va tout de même gagner. Je les vois gagner en fait, mais pas gagner avec un grand résultat. Du coup, je pourrais dire qu'il y aura peut-être un 1-0, 2-0. À moins que, voilà, je me trompe cette fois-ci. C'est absolument ce qui devrait arriver. Soit un match nul, soit une légère victoire de l'Espagne. Merci à tous ceux qui ont suivi ma vidéo jusqu'au bout. Surtout, n'hésitez pas à liker, partager, commenter et à vous abonner à ma chaîne. Et comme d'habitude, donc vous pouvez me retrouver sur les réseaux sociaux, sur ma page fan, donc Jérôme M. Voyance. Je vous mets le lien sous la description de la vidéo.